sors du boulot, c'est parti pour Star Wars. Je me dirige au cinéma. C'est parti. On s'approche bientôt au Star Wars. Ça y est, je suis garé. On ne voit rien, mais on s'en fout. C'est bientôt. On éteint les feux, on éteint la bagnole. Du coup, on me voit encore moins. C'est génial. Tout ça pour... Merci l'autoradio. C'est bientôt. Donc on va sortir de la voiture et c'est parti. Voilà. Pendant que madame essaye ses nouvelles chaussures, nous on revient du cinéma. Voir Star Wars, je pense que je l'ai assez dit pour qu'on le sache. Je pense faire une autre vidéo plus tard, quand beaucoup de spoils seront tombés. Je pourrais en dire plus. J'en dirai plus dans une autre vidéo. Mais là, je voulais au moins dire un peu ce que j'avais pensé à chaud comme ça. Ça va être difficile de pas spoiler, je me couperai à ce moment-là. Mais on va dire que je vais essayer de parler de l'idée générale du film, de ce que j'ai pu en penser, sans en dévoiler le contenu. Qu'est-ce qu'il y a, Milo? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux boire? Allez, vas-y. Vas-y, bois. Ne te noie pas, hein. Mais vas-y, tu peux boire. Allez, vas-y. Donne des bons coups de lampe et allez, montre à tout le monde comment tu fais. Voilà, c'est super intéressant. Ouais, bon, d'accord. Il a l'impression qu'on l'observe, il aime pas. Bon. Normalement, j'ai envie de faire rapide, hein. J'ai pas envie de... Parce que de toute façon, je suis un petit peu à l'ouest là, donc je pourrais pas dire complètement ce que je pense ou quoi que ce soit. Ça va être donc on va faire rapide. Et puis je concrétiserai tout ça, je synthétiserai, j'organiserai tout ça dans une autre future vidéo. Alors, donc ce Star Wars, ce que je lui en ai dit à cette madame là-bas. Ce que je t'en ai dit une fois que c'était terminé, c'était que déjà je suis rassuré. Je n'en dirai pas plus, mais je suis énormément rassuré. Alors pour ceux qui connaissaient un peu mon avis avant, qui savaient pourquoi j'avais peur que ce soit fait ta gueule, Kiro. J'avais peur que ce soit fait pour les fans. Et que pour ça, et qu'il n'y ait aucun fond derrière. Eh bien, pour ceux qui ont cette même peur et qui ne l'ont encore pas vu, rassurez-vous. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, là, j'ai pas encore bien construit mon avis. Il doit y avoir quelques petits bémols dans le film, mais franchement, tout y est. Voilà, c'est ce que j'ai pensé dès que c'était terminé, ou même pendant le film, quand ça arrivait, je me disais, c'est bon, alors ça y est. Je suis globalement rassuré de partout, et je ressors du film en me disant, c'est bon, j'ai été conquis, j'ai été convaincu. Alors, j'avais envie de dire quelque chose, mais sinon ça va peut-être trop en dévoiler. Non, je vais juste dire que moi je pensais qu'ils allaient en garder un petit peu plus pour la suite.
Mais là, on a, en quelque sorte, globalement, c'est difficile de pas parler sans spoiler, mais on a globalement, les fans en général ont eu ce qu'ils voulaient. Voilà, on va s'en tenir à ça. Donc, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Et maintenant, justement, ce que je pense, c'est que là, ils ont le champ libre pour peaufiner, pour aller vraiment à l'intérieur du scénario, le triturer dans tous les sens et en faire ce qu'ils en veulent parce que ça y est, c'est parti, maintenant, ils peuvent se lâcher. Et le dernier point que je vais aborder, tout est lié, mais c'est le dernier point, c'est que le scénario est complet. Et le scénario a un sens. Et ça, ça m'a, encore une fois, énormément rassuré. Et j'en suis putain de content. Moi qui suis un tout petit, tout jeune fan de Star Wars, si je puis employer ce mot, alors que ça fait à peine 2 mois que j'ai commencé à les regarder, les Star Wars. Oui, mieux vaut tard que jamais. Ouais. Mais justement, je me dis que du coup, à comparer d'autres fans, je dis pas que je suis mieux ou quoi que ce soit, non, pas du tout. Je dis juste que j'ai une vision différente. Parce que moi, j'ai regardé les 6 à une semaine d'intervalle à chaque fois, sans m'attendre à quoi que ce soit. Beaucoup de fans, entre les films, ont dû se faire des idées, ont dû se faire des idées de scénario, des idées de quoi que ce soit, tout comme un peu on a pu se faire là pour celui-ci. Chose que moi je ne m'étais pas faite, je n'attendais rien et j'ai apprécié les films tels qu'ils étaient. En me disant pas, ah, tiens, ça s'y était pas, ah ça je l'aurais plus aimé comme ça, ah ça, non, je les ai pris comme ils étaient. Et sachant que je les ai vus il y a vraiment pas longtemps, j'étais encore énormément dedans, dans les personnages, dans l'histoire. Et quand vous êtes un fan de longue date, ou très récent comme moi, normalement il n'y a pas de doute. Vous allez être conquis. Vous allez être conquis. Voilà, je pense que je peux plus parler parce que sinon après je vais commencer à spoiler. Au départ, je voulais faire, à la fin de la vidéo, je voulais spoiler un max, mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire, je vais en rester là. Et je ferai une vidéo plus tard, ou voilà, je dirais même peut-être un mois plus tard, ou je sais pas quand. Mais quand tout sera redescendu, quand tout le monde l'aura à peu près vu et qu'on pourra se lâcher au niveau des spoils. Enfin, c'est pas spoiler pour spoiler, hein. C'est spoiler pour pouvoir raconter l'histoire, tout simplement raconter ce qui s'est passé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai ressenti beaucoup de choses pendant ce film. J'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup été surpris, j'ai beaucoup été touché, j'ai beaucoup été rassuré. Et en fait, il y a tout, quoi. Comme ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo sur le tout dernier épisode de Star Wars que j'avais vu, je dirais pas que c'est les mêmes émotions au même moment ni quoi que ce soit, non, parce que vraiment, la Revanche des Sith, il y avait beaucoup de choses derrière. Là, on est aux prémices de la trilogie. Mais malgré tout, il y a beaucoup de choses. Voilà. Bon, j'ai envie d'en dire d'autres, mais je vais me les garder dans ma boîte là-dedans. Et je vous les ressortirai tous quand je ferai une vidéo plus préparée. Voilà, ben moi je vous laisse là-dessus. Voilà, nous vous laissons là-dessus. Et puis ben je vous retrouve pour d'autres vidéos, pour d'autres aventures. Je sais pas ce que ce sera ma prochaine, mais tant pis. Peut-être une petite surprise. Petite surprise pour ceux qui connaissent, hein, bien sûr. Voilà, et ben sinon, moi je sais pas si je pourrais faire des vidéos avant la fin de l'année, donc je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, de bien ouvrir vos cadeaux, de bien faire la fête, d'être en famille ou quoi que ce soit. Et puis, eh bien, je vous souhaite de bien tourner vos occupations, et ciao à tous !